Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà la vidéo tant attendue du swap du mois de janvier avec Angélique. Donc je vous avais fait la vidéo que j'ai fait moi, le swap que j'ai envoyé à Angélique. Donc c'est le swap qui devait avoir lieu en janvier. Donc on a eu quelques retards. Donc je viens juste de le recevoir aujourd'hui. Donc nous sommes le 15 février. Donc voilà, donc j'ai eu un peu de retard pour le recevoir, mais voilà, parce qu'il y a eu des soucis au niveau de la livraison et tout, donc voilà, mais bon, je l'ai enfin bien reçu. Donc, juste petite précision, vous allez entendre des bruits des chiens, puisque voilà, cette fois-ci, ils sont juste derrière moi et ils sont en ce moment pénibles, pénibles. Bref, donc voilà, donc j'ai reçu le colis, vous pouvez voir, il est assez grand. Donc c'est parti pour déballer le colis. Alors, je sais qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas pu l'emballer, en fait, les articles. Voilà, bon, après, c'est propre à chacun. Il y en a qui l'emballent et d'autres non. Donc, on va voir tout ça, mais j'ai super hâte. Je vais le mettre de côté pour faire de la place sur mon bureau. Donc voilà, donc je vous montre l'intérieur. Les articles ne sont pas emballés. Voilà, donc on a une petite enveloppe. Donc je pense qu'il s'agit. Bon, j'ai une petite enveloppe. Donc on va commencer par ça puisque je n'ai pas vraiment des numéros en fait. Donc on va commencer par la petite enveloppe. Donc là, je n'ai pas de menu, je n'ai pas de lettres, il me semble. Voilà, je n'ai pas de menu, je n'ai pas de lettres. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça correspond. Ah oui. Donc, il s'agit des petites étiquettes pour m'assurer les petits pots. Alors, j'ai baissé un petit peu la caméra. Voilà, comme ça, en même temps, vous me voyez. Donc voilà, donc il s'agit des petites étiquettes pour mettre sur les petits pots, en fait, les pots de rangement de ma valise. C'est juste trop bien parce que j'en demandais, en fait, j'ai voulu en commander. Mais voilà, juste trop bien pour les petites étiquettes. Et puis, ce qui est top, c'est les étiquettes qui sont rectangles. Voilà, donc j'ai juste à couper et puis à écrire. Donc ça, c'est juste top. Ensuite, donc je prends au pif, hein, puisque moi, voilà, je prends au pif. Ensuite, nous avons la mallette de rangement. Alors, c'est la toute première que j'ai, cette boîte de rangement. Alors, donc voilà, donc c'est des petites boîtes en forme de tic-tac. Voilà, donc moi, j'ai pas ce type de rangement, mais voilà, avec le petit couvercle. Et ça, c'est trop trop bien. J'aime bien avoir plusieurs types de valises de rangement quand je fais plusieurs DP. Et ces petites boîtes, elles sont géniales. Donc j'en ai. Donc voilà, ouais, j'en ai 16, 7, 32, 46 boîtes. Donc voilà, en plus, elles se ferment super bien. Voilà, nickel. En plus, elles se ferment super bien. Et puis, on a un petit. Je sais pas si on peut enlever carrément le bout là en fait pour vraiment mettre les diamants, mais je pense pas. Donc ça c'est top. Donc elle est arrivée en bon état. Franchement, elle n'est pas abîmée, elle n'est pas cassée. Mais ça c'est génial. Franchement, j'attendais vraiment. En plus, je voulais le commander, mais bah, du coup, je l'ai eu le soir. Ensuite, donc j'ai plusieurs paquets avec les diamants. Alors voilà, donc c'est les diamants carrés. Donc j'ai essayé de tout sortir, mais là, il y a pas mal de. J'ai essayé de tout sortir, que j'ai pas mal de diamants de toile en fait. Donc j'ai encore un carton. Donc voilà, dans les cartons, j'ai les petits kits de base. Là, à mon avis, il y a plusieurs toiles, puisque c'est pas mal, il y a plusieurs couches.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de dérouler les toiles, que ça sera, sinon ça va être trop trop long. Mais déjà, j'ai une première toile avec des pans. Super beau. Alors, je pense que je dois avoir 4 toiles. Donc, je sais pas si là-dedans il y en a une ou deux, mais je pense que là il y en a qu'une. Et dans celle-là, je pense qu'il y en a deux, puisqu'elle m'a l'air un peu plus lourde. Bref, donc je vais commencer par le tout premier. Alors, de quoi il s'agit? Puisqu'en fait, j'avais donné une liste de mes envies avec toutes les photos des toiles que je voulais. Voilà. Et après, elle avait plus qu'à sélectionner. Puisque, évidemment, on avait un budget qu'il fallait respecter ou pas. Enfin, ça dépend des personnes. Moi, généralement, je suis tout le temps généreuse. Et voilà, donc selon le budget, sélectionner les toiles et puis les tailles. Alors, le tout premier, donc c'est la première toile que je vois. Donc, il s'agit des pans, elles sont trop trop beaux. C'est magnifique, toutes les multicolores comme ça, franchement, c'est juste trop trop beau. Donc, c'est une toile qui fait 40 par 50. Et nous avons 38 couleurs. Mais franchement, elle est magnifique. Super belle. Super belle. Et puis on a également tous les diamants. Donc les diamants, vous pouvez voir, c'est pas mal de couleurs. C'est magnifique. Et puis on a des petits sachets. Mais franchement, c'est top. Donc voilà pour la première toile. C'est ma toute première toile avec les pans. Et c'est vrai que j'aurais aimé. Enfin voilà, j'aimais avoir des pans. Je trouve ça super beau. Et enfin voilà, je trouve super beau avec toutes les couleurs. Franchement, c'est magnifique. Super belle. Ensuite, la deuxième toile. Donc là, on a beaucoup de couleurs bleues. Et ce sont les diamants ronds. Donc, ces couleurs bleues. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Ah, oh, 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 elle est trop trop belle. Ah, celle-là, c'est celle que j'avais craquée. Donc voilà, un pan en couleur bleue. Ah, elle est magnifique. Ah, magnifique. Donc c'est une toile qui vient de chez Home Fan, si ça vous intéresse. Et cette toile, elle fait 40 par 50. Et il y a 28 couleurs. Mais franchement, elle est magnifique. Vous voyez tous ces petits détails, en fait, au niveau de ça. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Cette couleur bleue, elle est magnifique, cette toile. Ah, franchement, elle est magnifique. Donc voilà, vous voyez, il y avait vraiment des couleurs un peu flashy. C'est trop trop beau. Franchement, cette toile, j'adore. Elle est magnifique. Enfin, super belle. Vraiment, j'ai du boulot à faire avec toutes les toiles que j'ai. Mais celle-là, elle est magnifique. Ensuite, deuxième toile. Donc là, c'est les diamants carrés. Et nous avons dans les couleurs un peu plus rosées, pastel, voilà, les petites couleurs légères. Oh! Ah, elle est trop belle. Alors là, nous avons un petit chien donc, qui vient de chez Home Fun. Donc, ces petits chiots dans sa petite boîte avec des petites lunettes. Elle est juste magnifique. C'est vraiment des couleurs pastel, un peu vintage en fait. Un peu avec le filtre sépia en fait sur les réseaux sociaux quand on fait les photos. Mais elle est juste super belle dans sa petite boîte. Voilà, donc on a 28 couleurs, mais cette toile elle est super belle. Moi j'adore les chiens, mais voilà, vous pouvez voir les petits chiots. Donc c'est une toile qui fait 40 par 40, donc c'est des tailles à peu près que j'aime bien travailler là-dessus. Mais elle est magnifique. Oh, j'avais jamais vu, mais elle est magnifique. Voilà, donc les diamants carrés, pareil. Donc la personne, en fait, Angélique, quand elle a reçu toutes les DP, elle contrôlait, évidemment, vous pouvez voir qu'il y a des petits croix. Donc elle contrôlait le nombre des diamants pour que tout soit nickel. Ensuite, dernière toile. Dernière toile, celle-là, elle m'a l'air un peu plus grande. Oh.
Oh là là. Donc là, on va dire vraiment le swap, c'est le thème des pans, mais d'une magnifique. Je sais plus si vous dites pan ou paon. Enfin, pan ou paon, enfin, je sais pas. Moi, j'ai dit pan, mais je pense que je me trompe. Mais regardez-moi cette toile. Oh, elle est magnifique. Oh, franchement, j'adore. Oh, j'ai jamais vu. Oh, mais elle est trop belle. Donc, celle-là, elle vient de chez Home Fun également. Et fait 40 par 50. Mais elle est magnifique. Regardez-moi toutes ces couleurs, la beauté des plumes et tout. Franchement, j'adore. Oh, super belle. Super belle. Et là, nous avons 42 couleurs par contre. Donc, il y a énormément de couleurs. Mais tous ces petits détails, elle est magnifique. Voilà. Franchement, elle a super bien choisi. Et je pensais pas avoir des si beaux toiles en fait. Voilà. Franchement, elle est magnifique. Donc là, on a également encore des diamants carrés. Mais cette toile elle est magnifique. Enfin, toutes les toiles sont magnifiques, quoi. Voilà, donc voilà, j'ai tout déballé les articles que j'ai de la part de Angélique. Donc je vais remonter. Donc voilà, je suis hyper ravie. Franchement, elles sont toutes magnifiques étoiles. Toutes les thèmes parents en fait. Donc on n'avait pas de thème spécial en fait. On a juste dit que c'était du DP. Et puis on s'envoyait voilà, du thème de DP. Mais là, elle a vraiment visé juste. Elle a vraiment fait le thème des pans. Ils sont juste magnifiques. Franchement, ils sont magnifiques. Moi, c'est les animaux. J'adore beaucoup faire des DP chez les animaux. Mais les pans, vraiment, c'est une beauté magnifique. Je les vois souvent en vrai. Et leurs plumes et tout, c'est vraiment magnifique. Et quand j'ai vu les DP sur ces thèmes de pans ou paons. Désolée, mais je ne sais pas du tout si on dit paon ou pan, mais bon, bref. Mais magnifique, franchement, j'adore. Franchement, magnifique. Donc, je ne sais pas si Angélie, tu vas passer voir ma vidéo. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Tu m'as énormément gâtée. Et j'espère que mon swap t'aura plu également. Et puis, je te fais plein plein de gros bisous. Donc voilà les filles pour cette vidéo, je vous mettrai en barre d'informations la vidéo où je vous montre les articles que j'ai offerts à Angélique. Et puis voilà, donc je vous mets tout en barre d'informations, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis voilà, donc comme je l'avais dit, j'ai un swap prévu chaque mois cette année. Et je pense qu'après l'année prochaine j'arrêterai puisque là je vais me retrouver avec plein plein de toiles. Et je pense que je n'aurai pas le temps de tout faire. Mais voilà, donc comme c'est des petites toiles, puisque moi je ne veux plus des grandes grandes toiles, puisque après on perd, enfin on n'arrive pas à les faire et on s'en lasse. Donc là c'est vraiment des petites toiles et je suis juste ravie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!